I clipped it. Oh, stop! Comment ça va? Je me suis trompé de porte. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné du grand et merveilleux Seyar. Il n'y a pas besoin de faire autant d'éloges parce que c'est qu'une petite merde. Non, je rigole. Bon, là, je vous explique, je dois aller mettre de l'essence. On va faire un petit tour de voiture. On n'a pas beaucoup de temps avant le couvre-feu. Tout à l'heure, il a ramené, d'ailleurs, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Allez checker ça. Le piment le plus fort de l'univers, ok? Sur sa chaîne YouTube, on l'a déjà goûté. Allez voir d'ailleurs. On sait à quel point il est piquant. Extrait tout de suite. Oh merde. Et là du coup on va faire un tour de voiture et on va compter à peu près, on va essayer de voir. Celui qui a le plus rigolé de nous deux va devoir bouffer un bout du piment. Un peu plus gros que dans sa vidéo. C'est parti? C'est parti? C'est parti, let's go. Allez. Dans cette vidéo, vous allez voir, je me suis un peu inspiré de la vidéo de Mastu, bien sûr. Mastu, c'est pour moi, c'est le youtubeur numéro 1 des vidéos en voiture. Attends, mais qu'est-ce qu'on va faire? Viens, faut qu'on revoie un peu le concept là. C'est celui qui rigole le plus ou on fait quoi? Je sais pas. Gros, je te jure que tant qu'on n'a pas trouvé le concept, je fais le tour du rond-point. Oh putain, arrête, celui qui rigole le plus, il a perdu. Non, trouve le concept, vite. Trouve le concept. Ah mais arrête. Il faut que tu trouves le concept. Trouve le concept. Arrête. Le concept de la vidéo, c'est quoi? J'ai envie de vomir. C'est quoi le concept de la vidéo? Il va manger un piment. C'est quoi le concept de la vidéo? Le plus il a mangé. C'est quoi le concept de la vidéo? La droite ce pays. C'est quoi le concept de la vidéo, s'il te plaît? C'est quoi le concept de la vidéo? Qui mange, qu'est-ce qu'il rigole le plus, il a perdu. Ok, d'accord. Bonjour à la vidéo. Là, tu demandes la station d'essence la plus proche. Tu demandes ça. Je demande par exemple, c'est où le parking de la plage bleue? Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Vous savez, c'est où la plage bleue? La plage bleue, s'il vous plaît. Là, vous tournez à gauche, là. À gauche? Et puis au rond-point, tournez à droite. À gauche, puis au rond-point, je tourne à droite. Merci. Je passe une bonne journée. Vas-y, on va aller tout droit. On avait pas tourné à gauche. Si jamais vous aimez bien cette vidéo, vraiment mettez un maximum de likes, commentez parce que vraiment, montrez-nous que vous aimez bien et on va en refaire plusieurs. C'est moi qui regarde en premier. Il est en train de mettre l'essence, il fait quoi? Ah, il met sa carte. Oh, les deux, elles sont refusées, gros, c'est une blague. Ah ouais? Bonjour en carte, s'il vous plaît. Bon, les gars, il y a des petits problèmes parce que j'ai pas de retour caméra. Du coup, je crois qu'on a perdu plein de trucs où j'ai proposé une... Enfin, j'ai dû donner une capote à une dame et tout. Ok, c'est bon. Non, arrête, c'est bon, j'arrête. C'est trop. J'arrête. Il va me tuer, ce mec. Il va me tuer de honte. Prochaine personne que tu vois, tu lui dis, excusez-moi. Pour combien le prochain repos, tu fais 3 fois? Pour 2. Vas-y, 1, 2, 3, 1. Moi je dis, yeah, je vais vomir. Tu vas vomir. Bon, les 3 fois le tour du rond-point. En plus, c'est un grand rond-point celui-là, gros. Donc ça vaut 4 fois un petit rond-point, gros, déjà. Putain, tu chies. Wow! T'es ouverte. Vas-y, remets-la, voilà. Oh putain, mais j'ai failli déraper. Je vais faire un drift. Et de 2. Mais il est torré lui. Et des 3. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on fait une vidéo où je sais pas, genre pendant une heure on fait tout le tour du rond-point. Dites-le nous dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Mec, pour combien là tu descends et tu me suis en courant? 1, 2, 3, 3. Vite. Pas terrible de me poursuivre. Hein. Si jamais t'arrives pas à me suivre, gros, c'est terminé. Ah ouais, il a du mal, le poteau. On va se cacher. Il va galérer à nous trouver. Ok, on va se mettre là. Est-ce qu'il va nous voir ou pas? Il est là. Ah non, merde, il nous a vus.
Ah merde, c'est pas drôle. J'ai failli écraser. Bravo mec. C'est bien, tu vois la McFlurry, bah, tu l'as pas dépensé mais on est bien. C'est trop cool. Tout l'arrêt de bus était silencieux. Wasta, ma caméra 3DO, frérot. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de CR, c'est l'homme le plus moins actif au monde. Ça te fait plus rien. Y'a plus rien qui sort de ton visage quand t'entends ce bruit là, gros. Tu imagines mes parents m'entendent, ils me disent c'est quoi, il a vraiment fait une merde comme piste. Donc pour vous, qui a été le plus gêné? Oui, je sais, on a changé de concept. Finalement, c'était celui qui serait le plus gêné. Parce que celui qui rigole le plus, c'était trop simple en fait. Dites maintenant dans les commentaires. La vérité, moi je sais la vérité. On était tous les deux. Les gars, Seigneur, il est à bout de cette vidéo. Vraiment, il en peut plus. Il est vraiment à bout de cette vidéo. On sait très bien ce qui nous attend. On va devoir bouffer le piment et... On est tous les deux en mode, on n'a pas envie là. Bon, écoutez, finalement... On a convenu un petit pack tous les deux, on s'est dit, bon, pourquoi pas on le fait tous les deux. Faut tester tous les deux quand même, c'est un truc à tester ça, une fois dans sa vie au moins. Donc écoutez, on va tester tout de suite. Je retire mon truc parce que je sais que je vais avoir très très chaud. Parce que la vérité, on va pas vous mentir, on l'a fait déjà tout à l'heure sur sa chaîne, ok. Donc là, vous avez pensé qu'on prend un tout petit bout, que c'est rien du tout. C'est incroyable, je sais même pas si je vais réussir à l'avaler, ok. Parce que moi en plus, j'ai un truc, une langue bizarre par rapport à vous. C'est que j'ai une langue qui est... Elle est coupée, ça s'appelle une langue géographique, c'est vraiment pas des lol. C'est ah mais moi je croyais que tu... Hein non. Et du coup c'est pour ça que moi je chante beaucoup plus, vraiment c'est pas une blague sur la langue, ça chauffe beaucoup plus que ceux qui ont une langue normale en fait. Mec, rien que le sentir le... Stop le mec. Moi je prends ça mec. Je vais essayer mais je te garantis rien frérot. Viens. Moi j'ai remarqué plus j'attends plus ça pique. Moi je le reprends, je suis pas un bâtard. Mets-le au fond de ta langue derrière. Ah. Ah, ça pique, mais ça va. Ah j'avoue, ça arrive petit à petit. C'est ça qui a été le plus gêné d'entre nous. Donc moi je veux bien avoir pris un petit bout. Ça m'a un peu piqué, mais j'ai peur pour ma langue, vraiment, je suis genre... Oh ouais, fais pas tomber de trucs, pas très gros. Demain, je vais me réveiller. Moi j'avoue, je suis une tarée par rapport à ça, j'avoue, j'assume. Non. Je recrache direct, gros, par contre. Ah, c'est dur, ça merde. Fais un croc dedans. Oh, on a entendu le croc. Non, t'es un malade, gros. Recrache, gros, t'es un malade. T'as pris un gros bout là. Montre ce que t'as dans la bouche. Et t'es un malade, il y en a partout, gros. Mais t'es un malade, et t'es un taille. J'ai pas à manger. Crache dans la poubelle. Bonhomme. A few moments later. Oh. Ça va ou pas? Mais tu pleures de... Hey, c'est horrible ou pas? Ça va gros ou pas? Ça... C'est chaud. Mais tout quoi t'as fait ça? Ça va gros ou pas? Non. Bonhomme. Gros, ça va ou pas? Tiens. Et tu l'as mangé? Comme ça, c'est ça pour les vidéos, rien que pour les Yes Man Challenge, moi pour mes soeurs. Toi, t'es fou, toi. Bon, il est temps de faire ses tout trop depuis tout à l'heure. Le pauvre frérot, il est vraiment dans le mal. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, frérot. Il est cuit. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à sa chaîne. On a tourné une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je sais pas si elle est encore sortie. Et abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous serez notifié. La vidéo était trop drôle aussi. On a fait un joke de papa, enfin, on a fait des blagues. Et celui qui rigolait le plus à la fin, bah, devait bouffer. Au final, on a bouffé comme dans cette vidéo, tous les deux. Donc au final, on s'est pris deux fois du piment à chaque fois. Sauf que lui, un peu plus que moi à chaque fois. Parce que... Oh, j'étais remonté, gros, désolé. Bref, n'oubliez pas de me dire si vraiment vous avez aimé cette vidéo. Mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, on refera une partie numéro 2 si vous aimez bien. Le niveau de gênance encore plus haut. On vous mettra, j'achèterai un haut-parleur, le micro que j'ai équipé haut-parleur. Je vais acheter des dingueries. Ça va être, je vais vraiment faire des dingueries parce que j'adore les gens en voiture. Je kiffe de ouf, c'est trop bien parce que j'adore conduire moi en fait. Donc conduire plus faire des vidéos YouTube plus être avec un pote et plus rigoler, c'est le combo en fait pour moi des meilleures choses. Donc je kiffe faire des vidéos en voiture. Juste, j'espère que vous aussi vous allez kiffer. Sinon, il y aura plus sur la chaîne. Bref. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous la team, gros bisous, ciao! Mec, ça te dit on remange un petit bout de piment là?
voudrais voyager. Bon, la vidéo est pas terminée. Pourquoi? Le frérot Seyar, là il est pas bien. Il est aux toilettes, il a envie de vomir et tout. Donc vraiment, je fais cette vidéo parce que c'est lui qui m'a dit de le faire et c'est vrai que c'est important, il a eu raison. Ne faites pas de conneries avec les piments. Ça paraît hyper drôle au premier abord. C'est sûr, c'est cool sur le moment, c'est drôle. Mais il peut avoir des grosses conséquences. Bon, lui, il est juste malade, mais il peut avoir des trucs beaucoup plus graves. Donc faites pas n'importe quoi. Testez un petit bout avant de vouloir prendre un gros bout. Mais en vrai, ça peut être super dangereux. Donc faites gaffe. Là, le pauvre, le frérot, je suis dégoûté parce qu'il est pas bien et qu'à la base, je voulais juste qu'on rigole pour faire ça. Et au final, il est vraiment pas bien. Donc faites attention à vous. Allez, bisous la team. Sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage.